Salut à tous, bienvenue Sport Rue, le mag, le rendez-vous des curieux et des passionnés. C'est ici, c'est sur MCE, soyez les bienvenus, nous sommes ravis de vous retrouver en compagnie d'invités prestigieux encore une fois aujourd'hui. Stéphane Diagana est là, bonjour Stéphane. Bonjour. Ravi de vous accueillir, ancien champion du monde du 400 et notamment consultant à France Télévisions pour l'athlétisme et beaucoup d'autres choses dont on a parlé d'ailleurs la semaine dernière avec vous sur le plateau de Sport Rue. Également, autre grande championne, Maureen Nizima. Salut Maureen. Salut. Double médaillée de bronze aux Jeux Olympiques d'Athènes à l'épée, en escrime, championne du monde par équipe, championne d'Europe et j'en passe et des meilleurs, une carrière de folie. Et ça va continuer encore parce que je suis sûr qu'elle va encore nous taper des médailles dans les prochaines années, les prochains mois, Maureen. Et puis à vos côtés, quelqu'un que vous connaissez à peine, Sylvain Charlet, qui est journaliste de sport à RTL. Salut Sylvain. Salut. Ravi de vous accueillir. Alors au service des sports de RTL, aux côtés notamment de Bichente Lizarazu le lundi, dans le club Lisa sur cette magnifique radio. Et une thématique, vous allez comprendre pourquoi nous avons réuni ces trois entités, ces trois personnes aujourd'hui. Journalisme, communication, est-ce la reconversion idéale pour les sportifs? Ben, je vous pose bien la question, Stéphane Diagana. Est-ce que c'est la reconversion idéale? Vous en êtes l'un des exemples, en tout cas, hein, même si vous ne faites pas que ça. Voilà, j'ai pas l'impression de... J'ai pas un projet de reconversion dans les médias. Il s'est trouvé, quand j'ai arrêté ma carrière en 2004, sur blessure dans la préparation des Jeux d'Athènes, j'ai une proposition de Canal+, et juste après de France Télévisions, pour être consultant sur le dispositif de retransmission et de couverture des Jeux. Et que ça me plaisait plutôt, que j'avais suffisamment de recul pour me dire, bon, tant pis, bon, j'y serais pas en tant que concurrent, mais j'avais décidé d'arrêter ma carrière, quoi qu'il en soit, donc j'y suis allé, ça m'a plu, j'ai continué. Maintenant, me projeter sur une carrière vraiment plus de journalisme et m'orienter vraiment, non, c'est pas le projet en tout cas. Ouais. C'est pas le projet, mais c'est plaisant, ça permet de garder le contact avec son sport et puis de véhiculer les choses de manière différente. Ça vous prend combien de temps par mois, par semaine ou par an? Consultant de sport. Malheureusement, pas beaucoup, en fait. Ouais. Finalement. Malheureusement, pas beaucoup. Je dis ça, c'est parce que ça traduit la présence de l'athlétisme, ouais, qui n'est pas très, très forte dans les médias. Donc, j'ai d'autres activités à côté, heureusement. Mm-hmm. Mais c'est pas plus mal comme ça, finalement, si ce n'est que pour l'athlétisme, j'aimerais effectivement qu'il y ait plus de présence à l'antenne, parce que c'est important pour la promotion de notre sport, comme pour tous les sports. Ouais. Je pense que c'est le même problème pour l'escrime aussi, hein, qui est vu surtout tous les 4 ans, oui, Maureen Nizima. Peut-être encore, encore pire... au niveau de la médiatisation, puisque il y a quand même des meetings d'athlètes qui sont retransmis régulièrement, alors que l'escrime, à part les Jeux Olympiques et éventuellement un championnat du monde à 2h du matin sur la TNT, non. Ouais, c'est plus compliqué. Alors vous, apparemment, bon, votre carrière de sportive n'est pas finie, et fort heureusement, mais vous n'envisagez pas, pour l'instant en tout cas, une reconversion dans le consulting ou dans le journalisme. Mais vous avez fait plein de choses avant, hein. Même quand elle était gamine, elle a tourné une pub pour des bonbons. Donc on n'a pas retrouvé les images malheureusement. Mais enfin, vous avez fait de la podologie, coiffure, vous avez fait quoi? Aéronautique encore, etc. Donc enfin voilà, vous êtes très curieuse et vous faites beaucoup de choses. Ah, je suis un peu la femme orchestre. Est-ce que vous êtes le Rémi Bricat de l'escrime en quelque sorte, si je puis me permettre? Non, mais en fait... Vous pensez à la reconversion ou pas? Ah oui, j'y pense, c'est bien pour ça que je cherche. Et vous cherchez quoi? En fait, je me suis essayée à plusieurs domaines, c'est vrai. C'est pas forcément évident de pouvoir concilier et la pratique du sport de haut niveau, la performance avec des études et les mener de front quand c'est pas un secteur déjà bien balisé, avec d'autres personnes qui sont passées avant un peu pour essuyer les plâtres. On essuie les plâtres soi-même, ça a été mon cas. Donc ça a été mon cas pour la podologie, ça a été mon cas aussi pour la coiffure, puisque ça a été un métier très très physique, difficile à concilier avec l'escrime. Et à l'heure actuelle, je me suis dirigée vers le milieu de l'aérien pour être agent d'escale. Donc, je suis formée, diplômée, tout ça. Mais vous pouvez faire trois métiers en arrêtant après votre carrière de sportive. Ouais, voilà, voilà. Sauf que aujourd'hui, trouver une compagnie aérienne ou une compagnie d'assistance qui me permette de partir en compète et de m'entraîner tous les jours, vu la conjoncture actuelle, c'est très très difficile, c'est très compliqué. Sylvain Charlet, est-ce que vous conseillez donc votre compagne au quotidien? Alors évidemment pour la reconversion, j'imagine qu'on en parle comme projet de couple tout simplement, mais est-ce que vous la conseillez aussi dans sa manière de communiquer dans les médias lorsqu'il lui arrive de répondre à des interviews? Est-ce que vous la coachez finalement? Est-ce que vous la débriefez? C'est-à-dire qu'au début... Comment on fait avec un consultant lambda, voilà, finalement, hein. Au début, quand on en a discuté, j'ai bien senti que le journaliste était, je vais être fort dans la caricature, était un peu l'ennemi de Maureen. Et en parlant au fil du temps ensemble, je lui disais, mais tu sais, nous, les journalistes, on a besoin de vous. Vous avez besoin de nous. Nous, on a besoin, là aussi, je vais caricaturer, mais on a besoin qu'on nous raconte des histoires. Donc, si tu te retrouves face à un journaliste, essaie de savoir ce qu'il attend de toi. Voilà.
tu veux lui parler, il veut te parler de ta blessure, il veut te parler de tes questions de retraite, de ta retraite. Voilà. Essaie de parler de ces sujets, mais en racontant des histoires, en enjolivant un petit peu la chose. Mmh. Voilà. Il faut du concret. De toute façon, pour moi, aujourd'hui, le journaliste, c'est notamment raconter des histoires aux gens. Vous qui travaillez avec beaucoup de consultants, qui faites beaucoup d'interviews, d'invités dans le cadre de votre métier, Sylvain Charlier, est-ce que finalement, vous n'avez pas l'impression que les deux univers se parlent peu? C'est-à-dire que les journalistes ont besoin de bons clients, ont besoin de matière. Les sportifs, finalement, ont aussi besoin de communiquer ou de délivrer un message. Mais les deux entités qui pourraient finalement collaborer, pardon pour le terme, ne le font pas. Est-ce qu'il n'y a pas un moyen, justement, pour essayer de contribuer à changer tout ça? Je pense que malheureusement, moi je vais prendre mon milieu du journalisme, parce que c'est un milieu que je connais bien. Il y a forcément des journalistes qui ne sont pas respectueux du sportif de haut niveau, qui ne prennent pas en considération les soucis du quotidien d'un sportif de haut niveau. Je pense que parfois, voilà, on veut juste aller à l'essentiel. Vous avez certains journalistes qui, en gros, ont besoin d'une info. Ils ne font pas attention à la manière avec laquelle ils vont aller chercher cette info et la manière avec laquelle ils vont gérer l'après. C'est-à-dire, toutes ces choses-là, c'est du domaine du psychologique quasiment. Il y a un manque, Stéphane Diagana. Ça a peut-être évolué aujourd'hui parce qu'il y a de plus en plus de médias et avec la présence de plus en plus prégnante des consultants et des anciens sportifs dans les équipes ou dans les teams de rédaction. Vous avez l'impression qu'il y a encore un fossé entre les deux univers. Vous, justement, qui pouvez témoigner des deux. Il y a une incompréhension, c'est vrai, une méfiance parfois de la part des athlètes. Et puis il y a une barrière qui est aussi logique, quoi. On peut pas être dans la connivence non plus. Le journaliste doit faire son métier aussi. Donc parfois on peut pas tout livrer aux journalistes. On se rencontre hors caméra parfois, mais on peut pas tout livrer non plus parce que comment ? Les infos oui, off. Voilà, il y a le off. Et c'est vrai que elle est normale aussi cette distance-là. Moi, j'ai eu des relations plus ou moins sympathiques avec les journalistes durant ma carrière. Certains avec qui volontiers je pouvais aller boire un verre, mais de là à tisser des liens plus proches, on n'a pas envie non plus. Et je pense qu'il y a une réticence du côté du journaliste parfois parce qu'il veut pouvoir garder son objectivité, et puis une réticence peut-être du côté de l'athlète aussi parce qu'il tient à ce que la relation soit dans ce cadre-là. En même temps, Stéphane, aujourd'hui, vous en tant que Stéphane Diagana, ancien champion, quand vous allez voir un athlète qui est en activité aujourd'hui, il va peut-être répondre plus facilement à vos questions, bien vous sûr. Donner des informations peut-être plus facilement à vous qu'à Sylvain Charlier, aussi talentueux soit-il. C'est parce que vous avez quand même un background et un passé de sportif. Alors, c'est vrai qu'il y a une relation qui existe. Aujourd'hui, ça m'arrive de poser des questions à des athlètes avec qui j'étais en équipe de France près de 10 ans. Donc forcément, c'est pas la même relation. Il y a une relation de confiance qui s'est établie avec certains, avec d'autres moins. Mais c'est sûr que ça peut jouer. Et puis il y a une connaissance et a priori, ils savent qu'il y a un respect mutuel. Quoi. Ouais. Si je fais un jugement sur Mehdi Bala ou sur Bouabdel Al-Attari, que je connais très bien... Je pourrais plus facilement me dire ils sont passés au travers de leur course sans qu'ils interprètent ça comme une volonté de leur nuire, parce qu'il y aura quelque chose de sincère et eux-mêmes l'auront fait ce constat. Donc, je tiens en même temps à garder l'impartialité. Ouais. Même si je les connais, et pouvoir dire ces choses-là, mais sans blesser, et en expliquant derrière pourquoi ça s'est passé comme ça et pourquoi on en est arrivé là. Alors, je cède la parole dans un instant à Maureen pour savoir quel est son rapport aussi aux médias et sur la question que l'on se pose aujourd'hui, à savoir si c'est la voie royale pour les sportifs ou la voie obligée finalement, parce qu'on en voit de plus en plus. Mais d'abord, je suis sûr qu'on parle sport à la maison chez les Nizima Charlet. Portée croisée, on ne les a pas rencontrés ensemble, mais regardez, c'est assez intéressant pour leur quotidien.